puissant de Jésus-Christ. Dis-lui que tu ne veux pas être un expert dans la langue et la culture du monde. Mais tu veux parler le langage de ton Créateur, le langage de ton Sauveur, le langage de ton Maître. Tu ne veux pas être le modèle de l'homme cultivé selon la culture du monde. Mais tu veux être un digne représentant de la culture du royaume de Dieu. Dis-lui que tu ne tronqueras pas la grâce qui t'a accordée contre les privilèges de ce monde. Dis-lui que le seul privilège auquel tu tiens plus que toute autre chose, c'est de pouvoir l'adorer. C'est de pouvoir être à ses côtés. Jésus-Christ a appelé à lui ses disciples et il en a choisi 12 qu'il a ordonné afin qu'ils soient constamment avec lui. Dis-lui que tu veux être constamment avec lui. Tu veux être constamment en lui et tu veux qu'il soit constamment en toi. Tu veux constamment fusionner avec lui, constamment faire un avec lui, constamment l'avoir dans sa plénitude en toi et où on ne verra plus une seule once de ton vieil homme. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Et parce que tu es si décidé, quand l'ennemi se hasardera à te prendre pour boire de toi, comme l'a fait le roi Belshazzar, l'Éternel, la terreur d'Isaac, avec son doigt, écrira sur son mur quelque chose qu'il ne pourra jamais lire. Quelque chose que le monde ne pourra jamais lui lire ni lui interpréter. Quelque chose que les informaticiens ne pourront jamais lui décrypter. Parce que tu es précieux à ses yeux. Il ne permettra pas qu'on te touche. Voilà pourquoi il a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes serviteurs, les prophètes. Dieu veut faire de toi l'annonciateur de ses oracles à ce monde corrompu et pervers dans lequel nous vivons. Si tu daignes te purifier, le monde ne te touchera pas. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu le verras de tes yeux,
Mais rien n'approchera ta tente. Parce que la main de Dieu repose sur toi. Celui qui te garde et te préserve ne sommeille pas, il ne dort pas. Et il est plus que capable. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Il te cache à l'ombre de ses ailes. Il te couvre de ses plumes puissantes. Les eaux acides qui vont tomber sur le monde ne viendront pas à toi. La bonté de Dieu est ton partage. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Et l'Éternel fait de toi une grande source de bénédiction. Amen. Pour les nations. Le temps où il t'exposera n'est plus loin. Reçois la gloire, Seigneur, et l'honneur au nom de Jésus-Christ. What shall I render? What shall I render? What shall I render to?